Et nous sommes de retour pour un peu plus de Palworld, dans notre deuxième camp, avec plein de métal. Plein de métal et du charbon. Donc, si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait un peu voyagé. On avait fait la deuxième tour, donc celle-là. Voilà. Tour de la Ligue, donc niveau 25. Et on s'était baladé tout simplement et on a découvert cet endroit là qui était assez sympa. Donc avec pas mal de métal et de l'autre côté il y a du charbon. Normalement il y avait un bloc de charbon ici aussi mais je crois qu'il a arrêté d'apparaître. Parce qu'en fait quand on construit trop proche je pense que ça empêche d'apparaître. Donc j'ai appris pas mal de petites choses aussi sur les pales et comment ils fonctionnent en fait. Parce qu'ils sont un peu étranges. On va dire qu'ils ont des fois des mauvaises propriétés. Aussi le fait de jeter les choses, hein, ça fonctionne. Hein. Ils vont les récupérer. Hein. Tant que c'est dans le camp, ils vont les récupérer. Donc vous pouvez faire ça pour gagner du temps. Moi c'est ce que je fais. J'ai plein de charbon maintenant de côté. Donc je vais finir ça et je vais vous montrer un peu. Donc le charbon, par exemple, ils le cassent pas eux-mêmes. Le charbon, non. Le charbon, ça fonctionne pas. Ils le cassent pas eux-mêmes. Par contre, le métal, oui. Le métal, ils vont le faire. Qu'est-ce que c'est? T'es bloqué, toi? Le métal, ils vont le faire. Ce qui est bon. Par contre, ils ont une mauvaise priorité. Ils ont une très mauvaise priorité. Parce que ici, il n'y a pas de pierre, par exemple. Donc c'est un peu le problème, en fait, de l'endroit. Il y a du bois. Il y a du bois, de la pierre. Non, il y a du bois, du métal et du charbon. Donc, comme j'ai dit, le charbon, ils ne le prennent pas. Donc, ça, on peut l'oublier. Il faut que ce soit moi qui le mine. Le métal, ils peuvent le prendre et le bois, ils peuvent le prendre. Mais, apparemment, le bois. En gros, quand je suis arrivé ici la première fois, donc vous vous rappelez la dernière fois. Donc, après, entre-temps, j'ai posé ça et tout ça. J'ai commencé à faire une base petit à petit et tout. Et j'ai mis les pales. Ils ont tout dératisé, ils ont enlevé tous les arbres, ils ont enlevé tout le métal et tout ça. J'ai fait des endroits comme ça avec des caisses, ils ont tout mis dedans et tout ça, nickel. Quand les arbres en fait sont revenus, ils les ont ignorés. Et il y a un peu un problème comme ça. J'ai l'impression qu'ils ne détectent plus en fait les choses qui réapparaissent après. Je crois qu'il faut genre fermer le jeu et revenir en fait, recharger la partie. Et là, ils redétectent le bois. Vous voyez que là, lui, il est allé ranger les choses. Mais ouais, il y a un truc comme ça. Et après, par rapport aux propriétés, je crois que lui, il est bloqué. Aux priorités, pardon. Il y a la pierre, donc il me fallait de la pierre. Le problème, c'est qu'ils vont surtout aller taper pour la pierre en premier. C'est leur priorité tout le temps. S'ils peuvent, genre miner, ils vont faire la pierre en premier. Et ça, c'est un problème. Du coup, le métal, ils le font. Des fois, ils le font pas, tout simplement. Donc ça, c'est un petit problème. Alors après, je crois que vous pouvez faire ça techniquement. Voilà. Vous pouvez faire ça si vous voulez. Mais c'est chiant. En fait, c'est chiant parce qu'il faut les babysitter en fait dans un sens. Donc c'est un peu relou. Le truc, la meilleure chose en fait, parce que techniquement ça va s'arranger, c'est plus vous avez de pales en fait. Et du coup, c'est cet endroit là qui prend 3 places va être plein. Et après, le reste en fait va taper du métal. Donc en gros, théoriquement, plus mon camp va grossir et plus ça va se fixer par lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Plus je vais avoir de pales pour tout casser en fait. Mais c'est un peu bête. Honnêtement, leur priorité est vraiment bête et on peut pas la changer. Et c'est vraiment un gros problème. Je voudrais bien qu'ils aient en fait une priorité de détruire ce qu'il y a sur le terrain et après de faire leur tâche. Donc ouais, ça c'est vraiment le plus gros problème en fait qu'il y a avec les pales. Donc j'espère que plus tard ça sera corrigé parce que du coup ça empêche de faire pas mal de choses. Les clous, ça pèse lourd, dis-moi. On va mettre ça. Voilà, c'est vraiment le seul gros problème. Surtout qu'ils font des pauses en fait assez souvent pour manger. Donc je sais pas trop si par rapport à la nourriture, parce qu'ils n'arrêtent pas de bouffer honnêtement, franchement, je comprends pas trop. Je pense que c'est sûrement dû au type de nourriture, je pense. Je suis pas sûr. Mais voilà. Lui aussi, il peut miner. Il est vachement bien pour miner le métal.
ça. Ça, c'est bon, c'est fait. On a ça. Très bien. Pour l'instant, normalement, il mange ça. Donc, on va prendre le blé, on va le mettre là. Ah, le bruit est horrible, hein, par contre. Hein. Le bruit est complètement horrible. Hein. Faut vraiment pas rester là souvent, hein, parce que vous venez fou. Donc j'ai fait deux endroits de blé et deux endroits de baie aussi. Parce que pour l'instant, c'est que ça, hein, que j'ai, de toute façon. On a pas mal de nourriture aussi. Je pense que peut-être qu'il y en a trop. Genre, il passe trop de temps à faire de la nourriture, à récolter et tout ça. Donc ça fait perdre du temps par rapport au métal. Mais bon, on va dire que pour le moment, le métal, ça va. J'en ai une petite partie, donc ouais. Donc ça passe, ça passe. C'est les pales que j'utilise pour le moment. Mais voilà, si honnêtement, leur priorité était beaucoup mieux, beaucoup mieux répartie, ça se passerait beaucoup mieux, en fait, techniquement. Mais bon, maintenant, on peut faire des méga sphères assez facilement. Donc ouais, parce qu'on a plein, on a pas mal de métal. On en a encore... Donc très bien. Aussi, ils changent, ils sortent pas les choses en fait qui sont créées, qui sont craftées en fait. Ils les sortent pas des endroits. Genre l'allumage de feu, là, le lingot, une fois qu'ils sont faits, bah, ils restent là en fait à tout jamais. Donc ça, c'est vraiment aussi un problème. Ça serait bien qu'ils puissent ranger les choses. Parce que par exemple, ils vont ranger les pierres en fait qui sont là-dedans dans la caisse. Donc ça, ça fonctionne. Et les choses qui sont par terre, pareil, ça fonctionne aussi. Donc ouais, et encore une fois, c'est leurs priorités, elles sont vraiment pas bonnes. Hein. J'espère que les devs vont faire quelque chose avec ça. On peut faire ça, mais pour le moment, c'est pas vraiment le pal qu'on utilise. Et l'huile de pal de qualité, je voudrais l'utiliser pour autre chose, donc on va un peu attendre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? J'ai commencé à déplacer en fait tous les objets assez rares, les objets assez importants. Donc dans ce camp-là, vous voyez, genre les cristaux, l'huile et tout ça. Genre les trucs un peu rares qu'on a, du soufre et tout ça. Là aussi, j'ai pris du temps à lire les descriptions, parce que c'est vrai que je les disais pas vraiment, les descriptions. Mais tout ça, en fait, c'est des trucs pour vendre. C'est juste pour de l'argent, donc je l'ai laissé là. L'appareil, donc comme j'ai dit, j'ai commencé à prendre les choses qui sont un peu rares. Et on va commencer à pouvoir faire des gros crafts. Techniquement, on peut passer quasiment au niveau supérieur. Il me faut un générateur. Le générateur, je peux pas le faire encore. Parce que il me manque. Il est là. Il me manque des organes d'alimentation. Donc ça, il faut tuer des pales électriques en fait. Il faut combattre des pales électriques. Et honnêtement, je sais plus où ils sont. Donc ouais. Mais voilà. Et il me faut des chats. Les chats que j'ai. Les chats, je crois que je les ai récupérés seulement en. Comment ça s'appelle? En raid en fait. Parce que je trouve pas l'emplacement en fait des chats. Nope. Oh. Vous avez vu tout le métal qui est par terre? Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est vraiment cool. Vous voyez que là, elle va prendre le métal et elle va le ranger. Donc ça marche très bien, en fait, ce système-là. C'est juste que, voilà, leur priorité, le pathfinding est pas top. Mais ouais, par exemple, pour les chats, j'arrive pas à trouver où sont les chats. Donc j'ai dû les avoir en raid, en fait. Le chat, il est où? Parce que le chat, en fait, est vachement bien pour miner, au final. Celui-là. Il est plutôt cool. Extraction niveau 2, ça va très vite. Transport et collecte, c'est vraiment pas mal. Mais par contre, si on fait habitat, il me montre pas où il est, donc c'est un peu bête. Donc je sais pas trop. Alors que ça marche avec le reste. Hein. Vous voyez. Donc ça, c'est plutôt cool. Oh, la map, elle va jusque là-bas. Oh la vache, c'est grand. Donc ouais, il y a des trucs assez intéressants comme ça. Lui il est bien pour l'abattage, il est l'abattage niveau 3, donc lui il est très bon aussi pour ça. Il peut travailler, il peut faire du transport en même temps, donc ça c'est une bonne chose aussi. Il y a vraiment des pales pour travailler en fait, ils sont vraiment extrêmement bien. Donc ouais. En tout cas, on va partir en exploration. Alors... La dernière fois, on s'était arrêté là. Tiens, on va aller voir celui-là. On va retourner en fait un peu dans le froid. Parce que je voudrais... Toi, tu me protèges pas du froid en fait.
Je voudrais en fait faire un peu d'expérience et récupérer des organes de froid en fait. Il y en a plein là. Je vais voir un peu ça. On va faire ça. Ça va aller plus vite. Oh la vache. Très bien. J'ai pas vraiment des grosses armes qui font très mal, c'est un peu le problème que j'ai. Mais mes pales après font mal. Je suis en train de geler sur place, c'est cool. Je sens que ça va être une catastrophe lui pour l'avoir. A chaque fois que je balance une sphère, c'est un lingot de métal qui part. Bon, ça commence à être gavant là. C'est une horreur. Il faut que je farme des statues là pour augmenter mon... Ah bah enfin... Là c'est le premier que je capture, c'est pour ça que j'ai voulu un peu balancer des... pas mal de... comment ça s'appelle ? De sphères en fait dessus. Très bien. Allez, on va se balader un peu là-bas. On va aller voir le spécial là. La dernière fois aussi, on a trouvé une armure qui était... C'est quoi ça? Sentinelle? Colporteur? Vous êtes des amis ou des ennemis? Ah, c'est des amis. Alors, j'ai des objets intéressants en stock. Ouais, mais la dernière fois, on avait une armure qui protégeait du froid. Donc, en fait, c'est pour ça que je voudrais récupérer des organes pour pouvoir la faire, en fait. Alors, je vais voir un peu. C'est quoi, ça? Fruit de maîtrise kamikaze. Pluie acide, laser visé. Drogue, lavage de cerveau. Les drogues de lavage de cerveau très efficaces pour... encadré, dissipé, ne restaure pas PV. Les os, ça peut être intéressant, honnêtement. 5. Ça ferait 11K juste pour récupérer ça. Les os, j'en ai un peu besoin, en fait. On est à combien de poids, là? Parce que les os, c'est un peu relou à récupérer. Okay. Je regarde mon poids, en fait. Le cuir, j'en ai. Je pense pas que ce soit super important, le cuir, pour le moment.
Ça, j'ai pas non plus. Faudrait en prendre. Clapadium, ça va. Des cornes, pareil. Bon, allez, on y va. On a récupéré quelques trucs, c'est bien. Alors, il est où l'autre truc de haut niveau? Il est de ce côté. Enfin, je crois. Ouais, un peu à droite. J'ai remarqué aussi un truc sympa, c'est avec l'endurance quand on a des pales qui volent. Genre par exemple là, on voit mon endurance. Genre je vais un peu la vider. Oui, donc ça c'est l'endurance du pal en fait, c'est pas la mienne. Ce que vous pouvez faire, c'est vous jeter et quand vous faites ça, hop, vous avez l'endurance au max. Donc et comme ça, vous pouvez jouer en fait. Genre là, l'endurance du pal est revenue à 100%. Vous voyez, donc vous pouvez intervertir, enfin, le fait d'utiliser différentes barres d'endurance. Alors, je sais pas vraiment si c'est fait exprès, si c'est intentionnel ou pas, mais du coup, ouais, du coup, ça c'est sympa. Vous avez techniquement plus ou moins endurance infinie à faire ça. Donc, c'est pas mal. Je vais où là? Ouais, c'est bon, on est en bonne direction. Oh la vache. Attendez. On va faire ça. Y a pas mieux que les œufs explosifs. Y a vraiment pas mieux que les œufs explosifs. Ouh, un plan d'arbalète. Mais eux, en fait, ils donnent pas d'organes gelés là. J'ai remarqué. Non, en fait, ils n'en donnent pas. Par contre, l'arbalète, ça peut être pas mal, parce que ça devrait être mieux que mon vieil arc en verre. Ça c'est cool ça. Y a aussi après le fait de mixer les pales et tout ça, et vous pouvez genre donner les, vous savez, genre les traits. Je sais pas si ça s'appelle des traits, les compétences passives, genre sprinter et tout ça, des trucs comme ça. Par exemple, sprinter, je voudrais bien l'avoir sur un oiseau, comme ça nous ferait une super monture qui va très vite. Alors, 40. Ouais, on verra ça plus tard. Donc il y a plein de trucs comme ça à faire. Qui est intéressant en fait au final, parce qu'il y a quand même une profondeur dans le jeu, mais on peut le résumer par farmer. Voilà. Il faut juste farmer, farmer, farmer tout le temps, quoi. C'est pour ça qu'on peut perdre des heures et des heures dedans. Voilà, c'est ça qu'il me faudrait en fait. C'est les plein de statues comme ça pour augmenter mon taux de capture là. Bon, là au moins on n'aura pas le problème de froid. Attends, je connais cet endroit là. Ouais, là on retourne là-bas. Bon, bah du coup, on va faire ce côté. On a des œufs. Les petits œufs, je pense que je vais arrêter de les prendre. C'est plus vraiment très très utile. Et ramène tes fraises. Faut aussi que j'augmente le fait de porter des objets au final. Parce que c'est vrai que j'ai encore la portance de base. Oh, il y a un truc là-bas. Fais voir, c'est quoi ça? Ah, c'est juste un camp de braconniers, j'imagine. Là, il y a un truc que j'aime beaucoup. Vous voyez que là, on voit de super loin les. Oh, il y a une tour là-bas. Cool, on a trouvé une autre. On voit de super loin les statues à récupérer. Donc, techniquement, c'est pas très très difficile en fait d'en récupérer. Mais bon, encore une fois, que ça prend du temps. Tout prend du temps en fait. Tout vraiment prend énormément de temps.
Il y a un truc un peu chiant, c'est que le pal il suit pas vraiment bien quand je descends comme ça. Donc du coup, je suis obligé souvent de le rappeler. On va récupérer l'endurance. Voilà. Ouais, vous pouvez gruger un peu le jeu comme ça avec ce système d'endurance. C'est pas mal là. Plein comme ça de côté. Tiens, on va aller là-bas. La ligue niveau 60, 26, pardon, 66, j'allais dire. Pourquoi pas, ça fait de l'expérience. Qu'on aille crafter cette arbalète. Ah, ils sont en train de dormir, attends. Très bien. Ah, ce truc d'explosion, hein, c'est top, hein. C'est vraiment top, hein. Puis en plus, quand les gens dorment, c'est encore pire. Très bien. On va aller là-bas. Je pense que techniquement, je devrais genre avoir plus de base. Je devrais monter plus de niveau et tout ça. Mais bon, honnêtement, moi, ça me gave au bout d'un moment. C'est un peu relou quand même, hein, faut l'avouer. Hein. Donc, putain, ça fait peur ici, dis-moi. Donc je préfère quand même faire de l'exploration et tout, parce que ça me prend la tête en fait de faire que de la. Déjà que le jeu est. Oh! 33. C'est full farm tout le temps. Donc ça va quoi. Ça va, ça va. Du coup. Ah, il fait froid ici, il fait chier. Oh, attends. Oh merde. Ah, mais non, mais t'as plein de vie encore. Ah, c'est ça la pluie acide? Ah, tu me l'as tué. C'est ce que je pensais aussi. Dinosome Luxe, c'est un spécial ou pas? Bon, par contre, c'est que des endroits où il fait froid, c'est relou. Il est peut-être un peu trop haut niveau pour nous, hein. Je peux pas dire, mais. Ouais, il est largement trop haut niveau pour nous. Ouais. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Honnêtement, je pense pas qu'on devrait être là. Nightwing 33. Ouais, on devrait vraiment pas du tout être là. Suzaku, t'es sérieux? C'est pas le nom d'un. 40. C'est un oiseau de feu, 41. Ça, c'est pas mal, ça, par contre. On va peut-être le prendre. Enfin, pas maintenant, parce qu'on peut pas, mais. Mais c'est pas le nom d'un Pokémon légendaire, ça, Suzaku? Enfin, bref. On va arrêter de se poser la question. Alors, on fait voir un peu. Tac.
Par contre, les œufs, j'avoue que j'ai pas de... Bah, attendez, on va voir pour l'arbalète, là. Alors, une arbalète... Ouais, je pense que ça, ça va être mieux. Même niveau DPS, je pense que ça va bien se passer. On va prendre ça. On va la faire. Voilà, très bien. Quelqu'un le fera. Pourquoi il y en a un qui a faim? Il s'est bloqué quelque part, c'est ça? C'est qui a faim? C'est le Bushi, là. Voilà. Parce que ça m'étonnerait qu'on ait plus de nourriture. Hein. C'est bien ce que je pensais. Vous voyez, ils sont toujours sur le métal, hein, c'est... enfin sur la pierre, pardon, c'est relou. Et après, en plus, on peut pas vraiment stopper ça. Il faudrait le casser, en fait, le détruire. Et à chaque fois, si on manque de pierre, on le remet. En gros, il faudrait faire ça tout le temps. Donc, c'est un peu relou, quoi. Bon, l'oiseau, c'est pas bien de l'appeler ici. Depuis que j'ai fait ce toit, en fait, c'est la merde. C'est con, parce que je voulais faire un truc joli. C'est pour ça que j'ai fait... parce qu'on peut pas faire vraiment des piliers. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. C'est compliqué de faire un truc joli. Alors, on va revenir là-bas. Ça, c'est mon premier camp. Donc, mon premier camp, du coup, c'est surtout pour... faire des œufs, on va dire. Et genre faire ça là, l'argent. Ça marche bien. C'est pour ça que je voudrais... Peut-être que ce camp-là, quand je prendrai un peu le temps, je le transformerai en... Regardez-moi tout ce bois-là, c'est incroyable. Je le transformerai en... En camp, tout simplement pour... pour la ferme, en fait. Genre le pâturage et tout ça. Pour récupérer des objets un peu aléatoires, de l'argent et tout ça. Ça peut être vraiment sympa. Ou que plein de lait, plein de trucs comme ça. Je pense que je devrais le faire. Faudrait que je prenne le temps de le faire. Mais bon, il faudra un meilleur endroit, franchement. Parce que ce camp, il est vraiment bof, au final. Il est mal placé. Ça, c'est toutes les fruits que j'ai. Là. Donc, ouais. Mais sinon, ça va, c'est sympa, ça avance. Il y a tout plein de métal à récupérer. Ils me rendent fou, quand même. Tout plein de métal à récupérer. Non, putain, je l'ai mis sur une pierre et... Ce con, il va manger. Transport en cours, toi, t'as l'air d'être bloqué. Très bien. Alors ça... Ah, j'ai 25 baies à jeter. Bah, tenez. On va voir si l'arbalète a été finie. Yes. Alors, fais voir 364 de dégâts. Ça va? Ouais. Waouh, ok, classe. Bon ben ça va, on va utiliser ça à la place, c'est bien. Ça on va le laisser de côté. Ah, me mettez pas des trucs dans ce coffre là. Vous êtes chiants les Pokémon.
Très bien. On pourrait aller faire plein d'argent avec tout ça. Mais pas vraiment besoin pour le moment. Réparer aussi, c'est devenu plus facile. Ok, on y retourne. Donc du coup, là, c'est un peu trop haut niveau. On est d'accord. D'accord. Donc on va l'explorer ailleurs. Là, niveau 28 et tout ça. 17, 23... Allez, on va voir ce qu'il y a là, en fait. Ce qui est aussi, il y a une chose que je trouve assez intéressant, parce qu'on parle de Pokémon et tout ça. Pour moi, encore une fois, je le dis, hein, le jeu fonctionne parce que Nintendo, avec Pokémon, n'a pas su genre ne pas négliger le marketing, en fait. Pas le marketing. Le marché pour les PC, honnêtement. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui parlaient de ça et je les écoutais. C'est vrai que dans un sens, ils ont un peu raison. C'est que la plupart du temps, enfin souvent, on est souvent en fait déçu des jeux Pokémon qui sortent. Et la plupart du temps aussi, ils restent pas. Parce qu'après, il y a des nouveaux, en fait, genre Sword, Sword et je sais pas quoi, machin. Moi, je me rappelle surtout de Rouge, Bleu et Jaune. Voilà, c'est tout. Mais il y en a plein, en fait, qui sortent tout le temps. Et c'est vrai que des fois, on est déçu parce qu'ils ne fonctionnent pas comme on voulait, ils sont pas faits comme on voulait, tout ça. Et du coup, on passe à autre chose. Elle est très très bien, cette arbalète, verte. Elle est très très bien. Et elle se... Attends, tu te fous de ma gueule? T'as dévié la boule ou je t'ai pas touché en fait? Non mais elle est super bien cette arbalète. Putain, tu me fais chier toi. Ah oui, ils donnent des os. Okay. Ah oui, c'est vrai que tous les objets, en fait, on peut techniquement regarder qui drop quoi. Donc ça, c'est pas mal aussi. Franchement, j'ai plus vraiment besoin du mousquet, je dirais, avec l'arbalète là, parce qu'elle est vraiment bien. Ah, je l'ai tué. Putain, oh, j'aurais pu l'attraper peut-être. Non, 35, je peux pas, 35. 28, avec une jaune, 3%. Non, mais je... 35... Non, mais je peux pas. Non, je peux pas. Non, ce serait débile. Par contre, qu'est-ce qu'il drop? Ouh! Des bonnes choses! On peut le finir ou pas? Attends, on va le finir avec. Yeah, cool. Parce que les fluides rares ou je sais pas trop quoi là, j'en ai besoin. L'huile de palme, ouais, ça c'est pas mal ça. J'avais pas vu que j'avais changé de truc. Ah, c'est bien. Il y a un pistolet que je peux faire à la limite.
Ça a l'air pas mal. C'est pas le pistolet rouillé, c'est le pistolet. Donc du coup, il me faut des balles de pistolet et pas des balles de bas de gamme. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop si j'en ai beaucoup. Mais je peux pas les crafter, je crois. Ah, balles de pistolet, ça. Hein. Parce que le mousquet, c'est quand même incroyable. C'est fun en fait, mais c'est juste le kiff de tirer au mousquet, mais sinon... C'est quoi ça? Ça, je sais plus. Je crois en avoir, mais... Mon dieu, les dégâts. Il s'arrête pas. Un truc qui est bête, c'est qu'il n'y a pas de... d'esquive quand on est à dos de pales. Ils auraient dû mettre une sorte d'esquive ou quelque chose. Ça va. Ah, c'est eux qui font de la barbe à papa. Je me rappelle maintenant. Ça, je sais plus si ça sert vraiment à quelque chose d'en avoir. Enfin, techniquement... Ouh, il y a un truc là-bas. Techniquement, tout est utile, hein, mais... Merde, qu'est-ce que je fais, moi? J'en ai déjà eu? Non, j'en avais pas. J'en avais pas. 8 de pales, ça aussi c'est utile. Ah, on peut aller à la... J'aurais dû le faire. Aller à la statue pour augmenter notre capture. On aurait pu faire ça. Bon bah ça va. C'est quoi là? Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là? Tu vas voir, ça va être un cul-de-sac. Ah mon dieu, c'est méga grand. Pourquoi c'est aussi grand? C'est quoi ça? Bronchéri aqua. Je sais pas si on... 30 ? Je... Ah putain, on peut plus repartir en plus. Faut faire le... Pentier de défense. C'est les mêmes. Ouais. J'ai assez de balles pour tenter, mais bon, si jamais on peut pas, ça va me rendre triste. J'ai pas envie de le tuer.
30, c'est chaud. On a eu plus de 30? Je ne me rappelle plus. Enfin, est-ce qu'on a eu dans les 30? Je crois que oui. Je suis pas certain. Ah, peut-être pas. Ah, si. Warsec, je l'ai attrapé. Warsec, je l'ai attrapé. Il était 30. Donc, techniquement, on pourrait. Tiens, on l'a. C'est vrai que lui, on l'a pas vu. J'aurais bien voulu augmenter mon taux de drop, en fait. Enfin, mon taux de capture, pardon. Je dis n'importe quoi. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Le mien. Ah là là, c'est relou. Allez! Viens ici, cours! Il est quoi? Il est plante et haut, du coup il résiste au feu. Non, 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 pas ça. Ça va, elle est bien la sorcière. C'est une des pires attaques au monde. On va faire attention de pas le tuer. Qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Il se loupe en fait avec son attaque? Comment ça se passe? Est-ce qu'on lui tire dans les jambes ou pas? On va peut-être le taper dans les jambes. What? Ça vient de passer à travers, je crois, la poké. Attention! 9%. Ok, son IA est à bugger. Putain, il me faut de l'endurance si jamais je dois esquiver. Ça a pas augmenté. Bon, on a 48 essais. J'ai déjà fait pire en pourcentage, hein, donc ça. Il y a des chances que ça passe. Hein.
Ah bah voilà. Ah, il a chef d'assaut. Chef d'assaut ? Je sais pas si c'est bien. Attends, qu'est-ce qu'on a eu ? Or draconique précieux. Ah, mais c'est pour vendre. Donc, comme ça aussi. Ouais. Rien de très spécial. Je peux passer ou pas ? Qu'on aille un peu plus vite. Ouais, ça va. Bah, pas tout en fait. Mais... Ah, on se prête au jeu, hein. Comme j'ai dit, hein, ce jeu a... Parce que bon, quand on m'écoute, on pourrait dire que je l'aime pas trop et tout. Mais comme j'ai dit, hein, les idées sont pas originales du tout, mais elles, toutes les idées qui sont prises sont des idées super addictives en fait. C'est pour ça que des jeux comme Valheim, Rust et tout ça fonctionnent en fait avec la construction. Et après le côté Pokémon avec genre tu veux récupérer toutes les bestioles qui traînent, après tu veux les accoupler et tout ça pour que ça devienne encore plus puissant. C'est, tout ça en fait, c'est, tout marche en fait ce système là. Par contre c'est un peu relou à l'arbalète parce que je dois faire un peu plus attention à mes tirs. Et où ils vont. Mais bon, les dégâts, je pense que... Putain, mais... Horrible. Je... Aveugle. Mon dieu. Voilà. Ouais, très très bien cette arbalète. Merde, je l'ai tué. Ah, fait chier. J'essayais de pas viser la tête, mais il a baisé sa tête. Pas mal. Pas mal, pas mal. J'ai plus vraiment... J'utilise plus vraiment de monture à pied. C'est plus vraiment utile. Les munitions. Plus trop utile en fait. Donc du coup je peux échanger les pales plus facilement, on va dire, ceux que j'utilise. C'est bien, c'est précis. Oh la vache. Oh mon dieu, j'avais pas vu. Faudrait qu'il ait des grosses AOE, lui. Mais ouais, bon, voilà. Le tir, des fois, il va n'importe où. C'est relou. Pas mal. Je crois que c'est le... Le tir enflammé qui va un peu n'importe où. Ah, pas mal. Mais j'en avais pas ça? Mais si, c'est les trucs les premiers. Ah, mais je dois plus avoir la chaîne en fait. J'ai dû en récupérer plus que 10.
On a une sorte de village là, on va aller voir. Ça aussi, le fait de jouer comme ça avec des villages et tout, très Zelda, ça me rappelle Breath of the Wild. Envoyer elle. Attends, t'as quoi toi? Ouais, je me disais, t'as un truc là. Putain de lance-flamme. Me tue pas la bestiole. Hein. Parce qu'il y a un truc qui est dangereux, on peut tuer les bestioles aussi qui sont dans les cages. Bon, apparemment tout le monde a bugué, c'est bien. Ah, il y avait un gros. J'ai jamais fait gaffe. Il avait un fusil à pompe apparemment. Continuer de ce côté-là, voir s'il n'y a pas un téléporteur ou un truc. Oh mon Dieu, ok, cool. Quoi ça? Bah, les mêmes que le mien, ok. Du coup, on est la nuit et on voit quelques statues. Très bien. C'est quoi ça là-bas? C'est une statue? Non, ça c'est une pierre. Mais ouais, ça. J'espère vraiment que les devs, ils vont faire beaucoup de travail dessus. Ils ont tout explosé à niveau argent et tout ça. Mais ce qui me dérange un peu, c'est que les derniers tweets qu'ils font, ça va faire au moins 2-3 jours, le moment où je vous parle. Ça fait au moins 3 jours non-stop où ils tweetent le fait qu'ils ont gagné énormément d'argent, que c'est le genre, il s'est vendu à 4 millions d'exemplaires ou je sais pas trop quoi. C'est cool, hein. Ah putain. C'est cool pour eux, hein, mais au bout d'un moment, hein, va falloir peut-être genre arrêter d'en parler et faire des choses. Genre par exemple la version Game Pass, elle est toujours en version 1. Ouh, il me balance des grenades. Enfin voilà, quoi. Il va falloir quand même faire des trucs. Hein. Un truc qu'ils devraient faire, c'est... Bon, à part rajouter des pales et tout ça, évidemment, machin. Le truc basique, quoi. Ce qu'il faudrait qu'ils fassent aussi, c'est que... Parce que certains pales, en fait, sont immondes. Pour être honnête, certains pales sont juste moches.
Ou alors ils sont trop proches de Pokémon et du coup c'est pas original. Ça serait de faire aussi un lifting en fait Opal. Parce qu'il y en a quand même certains qui ont... On peut voir qu'ils ont pas pris beaucoup de temps en fait pour les faire. Il y en a qui sont juste moches, j'ai envie de dire. Et mal fait. Certains sont très stylés, certains sont vraiment pas. D'où la question, est-ce que ça a été fait par IA ou pas? Encore une fois, on a toujours cette petite question qui traîne. Ok, très bien. Donc du coup, c'est toujours ça. Mais ouais, il faudrait qu'ils retravaillent sur certains, honnêtement. Et ce sera un super jeu, quoi. T'as 41% et ça passe pas, quoi. Il en faut autant, t'es sérieux? Il va m'en falloir du métal, hein. Putain. Très bien. Il peut vraiment m'en falloir du métal. Pour l'équipement et pour les boules. Attends, ils combattent la Ligue. Ah, la Ligue et les braconniers, ouais, du coup. Ils sont pas ensemble. Il a fui le mec. Bon, c'est pas grave. Depuis que j'ai trouvé ce système là avec l'endurance entre l'oiseau et le personnage, c'est juste superbe. Hein. Vous avez vu comment on se déplace vite et tout? On va vite, on fait plein de trucs rapidement. Alors ouais, c'est ça que je voulais faire. Ouais, 7 secondes, parfait. Nickel. Alors, on va voir ce que ça donne. Non, t'es sérieux? Je crois que c'est le boss qu'on vient de récupérer. Je crois que c'est le boss qu'on a eu. Oh là là. Là, on a une grenade, tiens. Alors, ça, c'est argent. Ça aussi. Ça, on peut le garder dans l'équipement. On va dire ça. Ça. Et après, on a de la nourriture. Vous m'avez récupéré beaucoup de métal ou pas, les mecs? 128. Non, 48 de métal. Bon, ça va. C'est pas énorme, énorme, mais ça va. Ils sont trop occupés à prendre des pierres. 190 là. Et on en a... 900. Ouais, techniquement, on pourrait arrêter de faire de la pierre.
Qu'est-ce qu'on peut faire là? Du lait, lait chaud. C'est embêtant qu'ils me mettent ça là-dedans. Enfin, à la limite, on pourrait mettre le blé là-dedans. Par contre, je sais pas comment fonctionne leur priorité par rapport à la nourriture. Genre, est-ce qu'ils prennent la nourriture qui est en... genre de grosse qualité en premier ou pas? Ça, je sais pas. Je voudrais finir, ouais, endurance 150, puis après, je crois qu'on va mettre dans poids. Je vais essayer d'avoir attaque 150 ou 140. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on avait trouvé? Bon, les grenades, on va les mettre là, parce que c'est pas vraiment utile. Donc, on avait bon, beaucoup d'argent. On a des mégasphères, faut en faire. Les jaunes, elles prennent 3 métal au lieu d'un, donc bon, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on avait récupéré? J'ai complètement oublié. Ah oui, il me faut des flèches aussi. Ah bah oui, les pales. Attendez, on va sortir la mienne là, celle-là. Comme ça, elle peut aider. Donc ça, c'est celui-là qu'on a récupéré, qu'on a fait éclore. Ouais, bah du coup, oui, voilà, c'est exactement le même. Il est où l'autre? Ah non, c'est pas... Bronchérie aqua. Non, non, on a le... ça c'est le bronchérie normal, donc version... plante. Et nous on a le aqua. Et le chef d'assaut. L'attaque du joueur augmente 10%. Ouais bof. Alors. On peut utiliser comme monture pour se déplacer, porter les affaires du joueur lorsqu'il est dans l'équipe pour augmenter son poids max. Ah ça c'est bien ça. Il fait que arrosage par contre, donc il est pas vraiment utile en combat quoi. En base. Ça aussi. Il fait que de l'arrosage. C'est pas vraiment étonnant. Ouais. Bon après, arrosage 3, quoi. C'est vrai que ça peut être utile. Je sais pas si ça vaut le coup de l'avoir, lui, de l'utiliser. Je pourrais transporter plus de choses. Mais je l'utiliserai à la place de qui hein? C'est ça la question. Le lance-lame est peut-être un peu moins utile. Bon, le lance-grenade, honnêtement, je vois pas pourquoi je m'en séparerais. Quoique même le lance-lame est bien. Un peu la... que t'as. Oh mon dieu, qu'est-ce que t'es gros. Qu'est-ce que t'es gros. Et on peut porter plus, c'est ça? Ah mais non, 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 j'ai pas débloqué encore ce truc. Tiens, en parlant de débloquer, on va voir ce qu'on a récupéré et on va voir où est son truc. Ah, celle des Reindrix, ça on en avait. Pistolet. Donc ça c'est le pistolet normal et moi je peux faire le... Ah bah tiens, l'huile de pale de qualité, c'est pour ça aussi que j'en voulais. On va peut-être faire le pistolet... je peux faire les balles du coup maintenant. Je peux faire des remparts aussi. Tiens, lance-roquette à un coup. Pourquoi pas. Ah c'est 4 points. Fibre de carbone, je sais même pas comment on fait de la fibre de carbone. Ah bah tiens, il est là. Celle pour water broncherie, on peut le faire. Bronquerie, je sais pas comment on va. Ça peut être utile.
Ah, qu'est-ce qu'on laisse? On laisse tomber le lance-grenade de lui. Oh là là. Faudrait le voir en combat, en fait. Voir un peu les attaques qu'il a. Non, on laisse ça. Donc, fracas corporel, 80 de force. Compétence que au bronchieur pour pivoter son corps à 90 degrés afin de charger l'ennemi pour l'envoyer valser. Ça, c'est ce qu'il nous faisait. Ça avait l'air de faire très mal. Le lierre rampant, racine acérée dans le sol pour chasser l'ennemi et le transperce sous ses pieds. Ça, je crois que c'est ce qui buguait quand il essayait de nous le faire. Tire des graines létales qui explosent au contact de l'ennemi. Ça, ça peut être vraiment bien aussi. Les bulles, c'est bof. Le tir aquatique, c'est rapide. Mais c'est pas très puissant. On peut faire ça. On peut faire ça. Du coup, on enlève le lance-flamme. Et il m'a bien servi, en tout cas. Faudrait que j'aille en vendre aussi. Je suis en train de me dire si on devrait pas détruire ce truc-là. Pour la pierre. Lui, il est vachement bien, le gros canard, là. Il est vachement bien pour miner, mais le problème, c'est qu'il fait arrosage aussi. Et du coup, il va souvent genre aller faire de la pierre, et puis après, il va faire arroser, puis il retourne faire de la pierre. Donc ça, c'est un peu le problème, je trouve. C'est bien maintenant que j'ai plein de farine, ça, c'est cool. Je crois que lui, il est bloqué quelque part. Ouais, Warsec, là, il est bloqué quelque part. Oh mon dieu, la vie qui perd. Ah, ça y est. Lui, il est bon pour le bois. Après, techniquement, je peux enlever ça. Mais je sais pas s'ils vont aller couper le bois, en fait. Ça, ma question. Je sais pas s'ils vont aller vraiment couper le bois. Parce que je vous l'ai dit, ils ont tendance à ignorer, en fait. On va voir. On va peut-être garder les éclats de palladium. Ah, j'ai entendu un arbre tomber. Ok, ça casse des arbres. Non, mais du coup, c'est... Enfin, je crois que ça casse des arbres. Je pense que c'est lié à la sauvegarde. Il faut recharger, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont fixées, en fait, quand on recharge. Pourquoi il y en a un qui a faim? Je vais les faire réapparaître. Tous. Je pense que ça aussi, ça aide. Attendez. Que tout soit... Ok. Voilà. Mais faire apparaître parce que des fois ça bug un peu trop. Lui, je sais pas si on pourrait le changer ou pas. Il faudrait des trucs qui minent.
J'ai pas assez de choses qui minent. Ah, ils détruisent les bois. Bon, bah ça va, on a plus besoin de ça en fait. Bon, bah très bien. Bon, très très bien. Je suis content. Je crois qu'il va falloir les faire réapparaître de temps en temps. Pour pas qu'ils buguent. Très bien, très bien. Je suis content, ça se passe bien. Parfait. Et on avait une armure que je voulais faire, c'était ça. Je crois que maintenant je peux. C'est celle-là? Je crois que c'est celle-là. Non, je peux pas encore. Organe congélation. Ouais, non, on n'a pas récupéré d'organe en fait. Ce qu'on a combattu, ça on dropait pas. C'est pas grave, on fera la prochaine fois. Bah, ça va, on progresse, c'est cool. C'est plutôt cool. Le problème avec les pierres, aussi, après on s'arrête là, parce que sinon ça dure trop longtemps. Le problème avec les pierres, c'est que les pierres, des fois, on en a besoin en fait pour ça. Et du coup, si je l'enlève, vu qu'il n'y a pas de pierre ici, si je l'enlève, on va être dans la merde au bout d'un moment. Donc, c'est un peu embêtant, quoi. Mais bon, dans un sens, j'ai plus besoin de métal maintenant que de la pierre, on va dire. Mais vous avez vu que juste pour 50, il faut 250 de pierres, en fait. Donc c'est un peu un problème. Ah oui, le pistolet. On pourrait peut-être le faire, le pistolet en verre. Il était où le pistolet? Celui-là. Ah ouais, 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 je peux faire ça. Je sais pas si c'est bon ou pas. Je pense que ça doit être bon. Ça doit être mieux que, nettement mieux que le mousquet. Parce qu'on a le pistolet normal. Pour que je vous montre, pour ceux qui savent pas. Donc on avait le pistolet rouillé. Utilisé avec des balles de pistolet pour établir un... Ok. Donc ça c'est le truc vraiment bof. Et maintenant on a débloqué celui-là, donc je peux faire des balles. Donc ça c'est cool. Mais nous, moi j'ai la version en verre. Donc 100 de lingots qui vont partir dedans. Allez. Très bien. Après, ouais, après il y aura ça, faudra non, l'autre. La bleue là. C'est embêtant parce que la bleue, je sais pas si elle va être bien, elle va être mieux que mon armure en métal ou pas. Mais bon, l'armure en métal, elle met que anti-froid, c'est pas anti-froid niveau 1. Bon, il nous faut du métal. On va arrêter tout ça là. Ou alors si on les met. J'arrive pas à l'attraper. Qu'est-ce qu'il fait? Il en pose. De toute façon, après, on peut les refaire, les trucs. Donc, c'est pas vraiment un problème. Voilà. Très bien. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je vous montrerai le pistolet la prochaine fois. Bah on a bien avancé. Honnêtement, c'est cool. Honnêtement, comme j'ai dit, le jeu se joue super bien parce qu'il y a tellement de trucs à faire tout le temps. Il y a le côté farm aussi qui est sympathique. C'est pas... Une fois qu'on a pris le coup, en fait, c'est pas vraiment très très chiant. Les pales aident beaucoup en fait pour récolter les choses. Donc ça, c'est sympa.
Mais ouais, c'est, faut faire attention à un petit problème d'IA et tout. Donc là, ça va. Là, de les faire réapparaître, là, ça a vraiment aidé. Donc je suis assez content. En tout cas, à la prochaine. Et on continuera notre petite excursion. Et on découvrira des nouvelles choses. À la prochaine. Ciao, ciao.